partenariat nous fait avec Marché aux Poissons. Et que tous les samedis, quoi, nous essayons d'animer marché là avec Tibouin Tambour. Combien de temps vous jouez au Groka? Au Groka, bon, j'ai commencé à taper, j'avais 18 ans à peu près. Maintenant j'ai 62. Donc il faut calculer. Vous avez commencé à taper où c'est? J'ai commencé à taper en Allemagne. Et puis après. Vous avez commencé à jouer au Groka en Allemagne. Alors. Alors, votre professeur était un Guadeloupéen? Non, il venait du Burkina Faso. Il vous a appris à jouer au Groka? Pas le Groka, le djembé. On parle de percussion, mais on ne parle pas de Groka. Le Groka, bon, c'est plutôt à cause de mon mari qui est Guadeloupéen. Il est là. Ouais, c'est lui qui m'a montré. Et quand vous jouez au Groka, vous vous sentez comment? Je me sens très bien parce que je l'ai dit de me déposer ici. Pour passer un peu de musique, ça fait du bien au corps. La musique, c'est le médicament nourri. Ou bien le zouk. Je dis c'est le zouk, c'est le médicament nourri, mais vous calade après moi qui est au-delà de ça. Aussi, oui, ça c'est au-delà, vraiment. Ok.